Salutations, voyageurs venus d'ailleurs. Nous nous retrouvons sur Elden Ring. Dans l'épisode précédent, nous avons tué un nain qui faisait des boules de feu. Et dans cet épisode, on va voyager à travers ce portail pour voir ce qui s'y cache. En espérant y voir de grandes choses. Ah! Ah! Ah, il sert à ça, ce portail. Ah, fuck. Je pensais qu'il servait à autre chose. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Honnêtement, je savais pas qu'il servait à ça. C'est un peu la déception, hein. Je vous ai... dans l'épisode précédent, je vous ai hype la zone. Et au final... bah, il y avait rien. J'espère que vous me pardonnerez cette cette déception que je vous ai imposée. Mais bon, c'est un détail. Là, il y a un truc bizarre là. D'ailleurs, on va enlever le 1. Le 1 est là. On enlève des choses et on visite. Respectez-moi. Vous faites pas le poids face à la reine LGBT. Voyons. Oh non. Ah putain, mes points de vie. Mes points de vie. J'ai paniqué hein, pendant quelques secondes. Ils font masse dégâts. Ah bah nice, la carte. Je vais voir à quoi elle ressemble. C'est un peu moche, hein. Enfin, c'est un peu moche. C'est des marécages, quoi. Et moi, j'aime pas les marécages. Vous aimez bien les marécages? Honnêtement, moi, j'aime pas. On va aller voir les petites îles, là. Disparaît. En avant. On va ignorer les mobs. Hein. Il y a moult ruines. Oula. Il y a tellement d'ennemis. Il y a des ennemis partout. Aïe. Ok, y a rien. Y a rien à part des mecs qui essayent de faire des embuscades. Meurs la tortue. Ah mais on est déjà venu ici. Oh ouais. Quelle déception. C'est quoi ça? C'est un rocher. Je vois un rocher et je panique quoi. Ça c'est chou moi ça. Oh. Où est ma torche? D'ailleurs on va changer de tenue un peu. On va se mettre en sage. Parce qu'on est quelqu'un de très sage. J'ai pas les gants du sage. Semblerait que non. Bon, j'ai le pantalon du sage. On va mettre les trucs de Manji.
Est-ce que je peux mettre une torche avec tout ça? On va la mettre à la place du bouclier. Hein. Ouais, je peux. C'est cool. Bon, allez. On va s'explorer cette grotte. De toute évidence, il n'y a jamais de mimique. C'est pour ça que j'ai pas fait attention. Du coup, s'ils en mettent une à un moment, je serais surpris. Ah. Un petit rat d'égout. Ah bah non, c'est des nudistes. Bon, je l'ai confondu avec un rat, le nudiste. Salut. Silence. En vrai, j'aurais dû équiper la lampe. Aïe aïe aïe. On va équiper la lampe malgré le fait qu'on a déjà une torche au cul. Comme ça on peut mettre les deux au cas où. On peut descendre? On peut descendre vers le suicide, j'ai l'impression. Oh non non, il y a quelque chose en bas. Bon, on va d'abord aller voir par là. J'étais faible. Gros mais faible. C'est dommage. Je suis extrêmement déçu. Talisman de la lance. Pas fait pour moi tout ça. T'as cru que je t'avais pas vu? Feu en vue. Bah le feu il est à l'entrée. Ils vont pas d'en mettre deux dans une grotte, hein, quand même. Faut aller voir en haut là-bas. Ok, il y a un petit drop. Un os. Enfin, des os. Il y en a plusieurs. Faut que je fasse attention à l'heure parce que je dois bientôt partir. Il faut pas que je me laisse emporter par ma vidéo. Ce qui m'arrive souvent. À la base, je voulais faire que des vidéos de 20 minutes. Hein. Je vous invite à regarder le temps de mes vidéos. Vous voyez bien que les 20 minutes sont pas souvent respectées. Hein. Mais à la base, je devais faire que des vidéos de 20 minutes. Et en général, 50 minutes, 1 heure. Des fois, ça déborde encore plus. Au lieu d'en faire, de faire 3 vidéos, j'en fais une, quoi. Ça, c'est tout moi, ça. Bizarre, cet escargot, là. Ah, ok, c'est parce qu'il crache, crache des glaçons, l'escargot. Stylé en vrai, les escargots qui crachent des machins comme ça, quoi. C'est dommage qu'il n'y en a pas dans notre monde, hein. On serait bien dans la merde. Ouais, encore, hein. Je pense la démocratie à coups de bombe dans la bouche. Ils vont vite être dressés, hein. Moi, c'est moi qui te le dis.
pitié. La pitié, c'est pour les faibles. Coton. J'aime le coton. Là, ça pue le boss. Hein. Et vous, vous le sentez bien le boss ou pas là? Là-bas au fond, je sais pas si j'ai bien regardé. Moi j'ai bien regardé. On m'appelle petit chaperon rouge. Salut. Ah merde, j'ai encore la méduse. Ah mais vite. Bon, au moins je m'en suis rendu compte quoi. Il m'a déféqué dessus. Et c'est pas loin d'être littéral. Alors, c'est en équipement. On va changer la méduse. Parce que la mine de rien, elle est faible. Esprit du chevalier banni Oleg. Non, on va mettre classique, hein, les soldats. Hein. J'aime bien les soldats. Putain, j'étais un peu brusque. Hein. Disons qu'il faut pas être cardiaque. Hein. Vu la descente que j'ai fait. On va tenter de les ignorer. Pour vite retourner face au boss. Bon, eux on les ignore pas parce qu'ils sont gratuits quoi. Alors je sais que je vais les tuer et qu'ils vont pas me blesser quoi. Très bien. Allez, on invoque les soldats directs. Il est où? Il est fort en vrai. Merci les gars, vous faites Ah dommage. Repose en paix Jean-Charles. Yves, aide-moi. Ok, il est mort. On a eu le choix en vrai. Médaillon d'ambre. On a eu chaud. Heureusement qu'il est pas très fort. Sinon, ça aurait été dramatique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, il se bat avec eux là. Bah, bonne chance, mon pote. Hein. Je te regarde. Enfin, je te regarde. Augmente les points de mana.
C'est ça, hein. PC, c'est point de mana. Je crois. Je crois que c'est les points de mana. Ok. Oh, un feu. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Bah, elle est stylée de ouf, elle, hein. Foul tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? I told the all-hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Je comprends pas. Vous savez, moi, je suis pas bon en énigmes. Faut pas me faire des énigmes comme ça, madame. Ok, bah j'ai rien fait, hein. Je suis pas responsable de ce qu'a fait une brute, hein. Moi, je suis pas une brute, hein. Je tue juste sans raison. Ça a rien à voir. Va falloir me respecter, madame. Oula, le suicide était pas loin. Oui, il y a un joueur qui est circonspect comme moi, là. Alors, de toute évidence, je peux la tuer. Mais bon, à quoi bon la tuer vu que... Vu qu'en fait, je suis pas méchant, hein. Je la tue pas, hein. Non. Non, on va pas faire ça. On va partir juste. On va partir bien gentiment. Est-ce que je peux remonter? Remonter, mais sans passer par là. J'aimerais bien monter, mais là, en haut. Pour aller explorer là. C'est pas possible. Ou alors il faut que je refais. Donc, vous savez quoi, on va le refaire. C'est ça, hein, on est obligé de le refaire. Mais attendez, en fait il y a un chemin là. On va aller voir le chemin. Il y a une espèce de chemin bizarre sur la map. Du coup, on va aller voir ce que c'est. Violette. C'est pas un chemin, ça. Pourquoi sur la map c'est un chemin et là c'est juste des ruines? Laissez-moi tranquille, monsieur. Ah, je peux pas, il faut que je vois ma map. Bon, est-ce que c'est bien là le chemin? Alors il continue par là. Bah on va le suivre. Hein. Il y a un feu là. Mais ça sert à quoi ce chemin bizarre là? Ah mais c'est là le chemin en fait, c'est là où il y a l'eau. Bah ouais, on est déjà venu en fait, je suis débile. Ah vous m'aidez pas aussi, hein, vous me dites rien. Vous me regardez faire. Manuel. Emmanuel. Emmanuel. Alors il me semble que ces terres-là, on les a visitées.
peut-être pas celle-là. En gros, celle-là, on n'a pas visité, celle-là non plus. Ça, on n'a pas visité. La petite terre-là, je pense pas. C'est parti, on a moult choses à faire. Le 1, on va le retirer. Il est où le 1? Ah bah le 1, il est à côté de moi. On va aller au 3. Et en fait, on va explorer. Hein. Ok, non, là, on est déjà venu. Restez calme. Faites-moi confiance. Croyez en moi. Voilà. À genoux, minable. Ah, je peux pas mettre ma map, ça veut dire que je suis en combat. Mais il y a l'air de rien avoir ici. Hein. Là-bas, on y a été. Hein. On va pas y retourner comme un idiot. Bon, tant pis, on va aller au 4. Attends, c'est le 4? Non, c'est le 2 le plus près. Tentacule Sama. Ah bah. Je vais être emmerdé par... Il va pas me suivre là, hein. Ouais, voilà. Bon, il y a un truc doré en... Il est tellement vénère, cet ennemi, quoi. Vite, il faut que je m'assie pour pas qu'il m'attaque. On s'assoit pour éviter l'attaque. Alors la petite île à côté du machin. Mais attends, on va visiter cette île avant, on a juste pris le feu là. Y a pas quelque chose de précieux? Un petit loot. Trois fois rien, hein. On cherche pas grand chose. Hein. D'ailleurs, est-ce que je peux parler à Mélina? C'est comme ça qu'elle s'appelle? Je me souviens plus de son nom, la demoiselle qui nous sert de level. C'est le moment de marchand. C'est-à-dire. Pour point de contrôle. Grâce. Je sais pas ce qu'ils veulent. Alors, soit là-bas, bon, c'est plus près le 4. Hein. Bon, y a rien. Hein. Du moins, je vois rien. Ah, il y avait un petit message. Nuit. Ah. Moment boss. Ah, il y a un boss dans la nuit ici. Merci le spoil. Les joueurs. Et les spoils. C'est une grande histoire d'amour. Hein. Surtout. Surtout les Dark Souls, hein, en fait. C'est la mécanique du jeu. Hein. La mécanique du jeu, à la base, il faut pas regarder sur internet. Et en gros, faut vous. Les joueurs s'entraident avec les messages, tu vois. En gros, les messages sont faits pour ça à la base. C'est pour s'entraider. Du coup, là, il m'a bien aidé ce message. Ah, encore lui. C'est le même ou il est. Ouais, c'est le même.
est en train de me défoncer. Ah, bah je suis mort. Je crois qu'on avait compris hein, que j'étais mort, mon pote. Pas obligé d'y aller à ce point-là. Ah. Pourquoi il y a deux fois le même boss? C'est bizarre, non? C'est bizarre d'avoir plusieurs fois le même boss. Bah, il fait jour. La nuit est passée tellement vite. Puis en plus, à cause du géant là qui est pas loin, ça va être complexe, hein. Bon, on va récupérer nos âmes. Et on va très vite voir ça là. Bon, ce qui serait bien, c'est de pouvoir invoquer. Mais le problème, c'est qu'on peut pas. Ok, il peut revenir. Il est largement plus fort que l'autre. Ok, si je suis trop près de lui, il peut me becter le cul. Faut pas que je sois trop près. Et il faut pas que je sois trop loin non plus. Sinon, je peux pas le taper. Mal ça. J'ai beau être matinal. Vous la connaissez cette phrase à force. Hein. Arrête. Tu vois bien que tu m'emmerdes. Voilà, c'est ça que j'ai peur en fait. C'est pour ça que je me mets pas entre ses jambes alors que l'autre, entre ses jambes, il était à l'abri quoi. Ah, mais non, mais ça c'est de la triche. One shot en plus. Hein. Putain, cette attaque elle me one shot. Hein. La shop qui one shot. Bon, on va mettre un vrai équipement. Peut-être qu'avec un vrai équipement, elle me one shot pas. Justement. Avec un peu plus d'armure. Et attends, elle fait des attaques physiques. Il me semble que celle-là, je peux la mettre. Par contre, faut enlever la torche. Puissance d'attaque successive accélère la récupération d'endurance. Ah, mais ça a du poids, ça. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait. Augmente la défense. Les coups critiques. Augmente... Ah, ça augmente tout, mais je prends plus de dégâts. Ça me plaît. Ok, je fais des bonnes roulades. On va l'ignorer et on va... Ah bah, il doit être le jour, c'est pour ça qu'il m'attaque pas. Ça casse les couilles en vrai d'avoir un truc comme ça pas loin du boss. Attends, c'est quoi cette branche là bizarre? Ok, c'est un loot normal.
Faire passer le temps. Ok, bah on est bien. On est bien. En vrai, je vais faire un... De faire un dernier try après, si j'y arrive pas vraiment. Enfin, si j'entrevois pas une possibilité de la battre, je vais faire autre chose. Parce que je vais pas rester bloqué sur un boss. Hein. C'est vrai que j'ai jamais essayé avec la monture, peut-être que ça passe mieux. Je m'attendais pas à ça en fait. Faut pas que j'oublie que j'ai des frames d'invincibilité quand j'invoque et je renvoie ma monture. En vrai, c'est pas plus mal que ce soit que la nuit, comme ça je peux venir le jour récupérer mes trucs sans rien craindre. En vrai, je vais aller visiter le petit truc là-bas, question que ce soit fait, et ensuite on va essayer un dernier try. En vrai, là il y a des petits trucs aussi. Hello. Hello. Please. Hello? Pourquoi vous vous tenez comme ça, madame? Hello. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by... Est-ce que vous mettez une culotte? And now I'm in a bind. Could I ask you... Voilà, un pantalon. Perhaps. That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Bah, j'accepte. Oh, thank you dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Est-ce que je l'aurais pas déjà? Should be resting at an... Please. Plus loin dans le chemin. Quel chemin? Bon, je reviendrai un jour, madame. Un jour ou l'autre. Une maison abandonnée. Bah, logiquement, pour... Il n'y a pas de chemin, en fait. Elle m'a dit plus loin sur le chemin, il y a comme s'il y avait une route, quoi. Bah, c'est pas loin d'ici, j'imagine. Mais non, mais je suis con, faut passer le jour. En vrai, c'est chiant en fait de faire des trails sur ce boss. Hein. C'est un dernier try après si on échoue. Si on échoue, on se fera de l'exploration. Ah putain, je m'attendais pas à ça. Ah, ni à ça d'ailleurs. Je m'attends à pas grand chose. Oh, c'est... ça vaut pas la peine en monture. Hein.
Ah putain, je l'ai enlevé parce que je pensais que j'étais à bonne distance. Bah tu peux crier mon pote hein. J'ai l'impression que j'ai trouvé un truc hein. J'ai l'impression d'avoir trouvé un petit point faible. C'est son cul hein. Vous l'avez vu vous aussi le point faible. Le point faible c'est le cul. Je m'y attendais pas du tout, hein, pour le coup. En vrai, il faut juste qu'il utilise pas sa chope. Mais au moins c'était un try encourageant. Parce que j'avoue que les premiers try étaient très peu encourageants, c'est pour ça que j'avais pas envie de try. Parce que je voyais pas trop comment faire pour le battre. Mais là j'ai entrevu quelque chose. Du coup ça me plaît. Et comme j'ai entrevu quelque chose, on va retry. En fait, comme j'ai vu un plus ou moins un point faible, ça me plaît. En avant. Dommage qu'on peut pas cibler son coup. Ce serait vachement plus simple pour moi. Ah putain, mais c'est ça en fait que je vois pas venir. Moi je suis mort. Et c'est un problème de pas voir cette attaque arriver quoi. Je vais laisser tous les trails, hein, si vous voulez que ça va vite, n'hésitez pas à faire des petites avances pour voir la fin du combat. Vous regardez tout, hein, souffrez avec moi. Hein. La souffrance fait partie de ce jeu. Hein. Si vous ne souffrez pas, c'est que vous jouez pas à ce jeu. La souffrance d'un homme. Allez, en avant. En vrai, la défense, quand mes PV sont bas, ça sert à rien. Parce qu'en fait, mes PV passent de full à plus de PV. Ok, je suis toujours en bon rôle. Je suis pas en jour hein. Non, je suis juste un connard hein. J'ai pas mis la nuit. C'est chiant en vrai que quand tu meurs tu passes de nuit à jour directement. C'est dommage que la nuit dure pas plus longtemps quoi. Après, ça fait partie de la frustration de ce boss, j'imagine.
Ah non, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Des fois, je suis débile, hein. On va essayer d'entrevoir les attaques cette fois. Ah ouais, c'est vrai, j'ai plus de d'os. Faut que je vais tuer des animaux pour avoir des os. Il m'a picoré la tête. En vrai, on va passer directement à la nuit, hein. J'ai 15 000 âmes, je crois. Et vous savez quoi? Tant pis si je les perds, hein. Je suis prêt à prendre le risque. En vrai, il y a trop peu de chances que je le perde, hein. Seulement j'avais des os. J'ai l'impression que ça me serait utile là. Dommage. C'est tout ce que t'as minable? Non, c'est bon, il faut pas que je sois rose. Là ça va, on est dans une petite séance que j'aime bien. Que je le domine. Attention à la chope. Il a fait un move bizarre en vrai. Attention à la chope. Si j'ai un doute. Ok, ça va. En fait, je confonds deux attaques et elle s'esquive pas de la même façon. Et c'est ça qui me met dans la merde pour l'instant.
Ah, c'était sûr. Je l'ai su quand j'ai roulé, hein. Avant que la roulade commence, quand j'ai appuyé sur la roulade, je savais que j'allais mourir. Parce que j'ai vu qu'il allait ramener son épée. On pourrait visiter, genre on fait ça, ça et là, ou alors on continue le trail. Je pense que c'est mieux de trail, hein. Parce qu'en fait je commence à avoir les actions du boss dans la tête. Et si j'arrête de try et que je reviens plus tard, j'aurai plus les attaques qu'il fait dans la tête. J'ai passé deux fois le truc, quoi. Voilà, j'ai bu un peu d'eau. Maintenant, je vais le dégommer. My body is ready. Ah, ce trail était ridicule, hein. C'est dommage parce que c'était mon trail. On a tué un boss dans cette vidéo ? Bon, on en a tué un. Ça, c'est le deuxième. Enfin, le deuxième. Pour l'instant, il est pas mort. Et pour l'instant, on est plus près de moi qui abandonne que de moi qui le tue, quoi. Bah, il est où? J'ai pas passé le jour? Quel connard! Quel connard! Est-ce que j'ai pas passé le jour? La réponse est oui. La mécanique de jour-nuit pour un boss est très frustrante, hein. D'ailleurs, on va faire quelque chose d'intelligent. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais retirer ces deux-là. Reviens ici, toi. Parce qu'en fait, j'ai besoin de toi pour le pour le combat. Voilà, comme ça, je switch entre 3 et pas entre 5. Ok, j'ai pas pris de dégâts, je sais pas pourquoi. Faut pas que je cible sa tête parce que ça me fait des trucs bizarres.
fait masse dégâts là. On lui a bien fait mal. Aïe aïe aïe. Là j'ai eu de la chance, hein. Je devais mourir. Hein. Je méritais de mourir. Hein. Selon moi, je méritais. Parce qu'en fait j'ai mal joué. L'âme cornue. J'ai mal joué, mais j'ai eu de la chance. Ouais. L'endurance, on peut l'enlever. La lame cornue, fais voir. Augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont bas. En vrai, ça me plaît de ouf. Ça me plaît de ouf d'avoir pas beaucoup de PV et de taper comme un bourrin. Moi, je peux remettre... Non, c'est pas là qu'il faut le mettre. Il faut le mettre là, c'est ça. Ils sont où les... Ah, ok. Ah, je savais pas que ça marchait comme ça. Ok, ils sont tout en bas en fait. Bon, au moins, mon erreur m'a permis de découvrir un petit truc. C'est que je peux changer le truc de raccourci avec les gâchettes. Ah, c'en est un faux. Yo. L'arme de cristal de dextérité, c'est-à-dire. Attends, on va continuer un peu à explorer, et après on ira là. On ira peut-être là. Et là. Il a l'air de rien à voir. Hein. Pas ouf cette île. On a eu un truc de dextérité là, mais je sais pas à quoi ça sert. Ah ok, c'est pas une plateforme en fait, c'est juste de la merde quoi. C'est quoi ça? On va regarder ce qu'il y a derrière. Nice. Bon, il y a rien j'ai l'impression ici. Hein. Mais ce serait un bon endroit pour cacher un petit boss. Hein. Vous avez vu comment c'est sinistre? Un petit boss pas loin d'ici, ça serait pas mal. Hein. Bon, à la place, on a un truc de grâce. Puis il y a des trucs là-bas. C'est bon, j'ai pas fait exprès le crabe. Il est rancunier lui. Hein. Bon, on va aller. Visiter ce que j'ai marqué et on ira visiter le reste plus tard. Ah, ils sont morts ou ils sont vivants? Ils sont vivants. Ah ouais, ils vont me casser le cul hein. Ils vont me casser le cul. Putain, il y en a partout des trucs comme ça là. Je suis parti où là?
Ah ouais, je me suis vachement éloigné, hein. Qu'est-ce que je suis con. Bah attends, on va visiter ça tant qu'à faire, hein. On s'est tellement éloigné de ce que je voulais faire. Des fois, je suis perdu, hein. Allez, le petit saut de cabri. Voilà. Putain, il y en a beaucoup des trucs dorés, hein. On en trouve beaucoup, là. On a un peu plus de réussite, mine de rien. On peut enlever lui, on peut enlever ça. Il n'y a rien à part ça. À part un truc de TP. Enfin, de grâce. Non, il n'y a rien. C'est juste un truc comme ça, quoi. Ok, il y a des minables. Oh bah, il y a un truc doré. Incroyable. Et il y a une cabane. Et il y en a un tous les 3 mètres, j'ai l'impression. Attendez. Putain, il y en a beaucoup, hein, non? J'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup, hein. Y'a pas d'ouverture à ça là? Bah non, y'a pas d'ouverture. Ah, je suis lourd. Comment ça se fait que je suis lourd? Voilà. Comment ça se fait qu'il y a une maison? Ah, salut. What are you looking at? You trying to start something, mate? Ah bah c'est lui qui a le pendentif. Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. You're a shrewd one, Chief. First, you hand me the runes. And don't try nothing, neither. Combien tu veux? Oh, mais c'est un malfroid. C'est un malfroid. C'est un malfroid, on s'en fout du coup. Oh les criminels. On ne négocie pas avec les criminels. Voilà. Perle. Masque de fer, et voilà, on a tout ce qu'on voulait. J'avais même pas vu au départ. Hein. Alors qu'il fait du crabe, là. Il a trouvé les enfants des autres. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et mine de rien, on a bien exploré, hein, aujourd'hui. Au revoir.